Eh bien aujourd'hui, nous sommes sur la présentation d'une nouvelle phase de communication sur l'Office de tourisme. Aujourd'hui, il faut s'adapter à tous les moyens actuels, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google et Co. Et notre objectif, c'est de faire découvrir le vignoble au travers de trois films spécifiquement construits avec la musique adéquate sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, il y a au travers de trois thématiques, l'un qui est la famille, l'autre le couple et le troisième les amis, faire découvrir en fait tout ce qui est ciblé au travers de chacune des thématiques de façon à avoir des versions très concrètes, très précises, très alléchantes, très donnant envie sur tout ce qui fait les variétés, les différences, les propositions sur le territoire. Le public de Nantes. Le public visé ? Le public visé, ce sont tous les... Je fais une petite confidence, je ne suis pas un grand consommateur, mais tous les Facebookers ou les Twitterman et woman, tous les hommes et les femmes qui utilisent les réseaux sociaux sous quelque forme que ce soit et qui sont consommateurs et qui ont besoin d'images qui leur donnent envie de venir au travers d'une boulimie d'images, puisqu'aujourd'hui on est quand même sur des images un peu boulimiques, mais qui nous montrent aussi bien l'eau, le vin, le territoire culturel, le territoire patrimonial, le territoire, tout ce qui fait la beauté de tout ce vignoble situé à l'est de Nantes, entre la Loire, la Sèvre, voilà. On peut savoir le coût un peu ? Alors le prix, je pense que ça, les gens n'auront qu'à aller voir les bilans de l'Office de tourisme et ils verront les lignes qui sont adaptées à ça. Mais sachant qu'aujourd'hui, on sait qu'à chaque fois qu'on met un euro quelque part, on a en moyenne une quinzaine d'euros qui retombent derrière en développement, que ce soit économique, gastronomie, repas et tout ça. Donc les prix, c'est toujours quelque chose, mais le retour, c'est toujours quelque chose de beaucoup plus diffus, de beaucoup moins connu. Alors schématiquement, c'est quelque chose qui a coûté quelques petits milliers d'euros, et tout petit, l'ordre de 4 000 on va dire, c'est à peu près ça. Donc vous multipliez par 15 et vous avez à peu près ce que ça va rapporter auprès des restaurateurs, auprès des chambres d'hôtes, auprès des lieux de visite, auprès de tout ce qui se fait un petit peu partout. Trois clips, le premier diffusé ce mois de septembre, le deuxième mi-octobre avec la vidéo en famille, et le troisième, en couple, sera diffusé mi-novembre. Ces trois clips ont été réalisés par l'entreprise Popamine. Comment est-ce que vous avez abordé ce film ? Alors, effectivement, on l'a abordé de manière assez originale, parce que déjà, le cahier des charges n'était pas forcément très ordinaire, puisque l'Office de tourisme ne voulait pas du tout d'un film institutionnel. Donc, le choix, c'était vraiment d'être en décalage avec ce qui se fait traditionnellement. Avec l'idée aussi d'une version qui ne dure pas plus de 45 secondes, puisque l'usage, c'est effectivement Internet, les réseaux sociaux. Et donc, il faut créer un film donc, de 45 secondes qui se veut rythmé, qui montre des choses du territoire, mais pas trop, pour que effectivement le spectateur ait envie de venir sur place et vivre l'expérience vignoble sur place. Pour nous, les vieux, on va tout au moins dire, on va dire les anciens, pas de fil conducteur vraiment, pas de réalisation comme à l'ancienne, pourquoi ? Alors, quand même une touche un peu cinématographique, avec quand même une histoire, avec des répétitions sur des personnages, sur des activités, mais effectivement que des brides de séquences, effectivement c'est aussi ce qui marche sur les réseaux sociaux, ce que les jeunes ont envie de voir, du zapping, des morceaux d'images, de séquences, et c'est pour ça que ça donne tout le rythme et le dynamisme à ce film. Oui, donc un véritable changement dans l'audiovisuel depuis les 20 dernières années. Oui, complètement. Là, on est assez loin, effectivement, du film carte postale qui montre les beaux paysages avec le ciel bleu. On est plutôt sur quelque chose de dynamique qui donne envie et qui, je l'espère, fera venir beaucoup de visiteurs pour découvrir le vignoble. Il y a des habitants du territoire qui sont intervenus. Oui, effectivement, les figurants, c'est effectivement des gens qui habitent le territoire, donc qui connaissent le territoire, et c'est effectivement, on s'est appuyé sur ces habitants pour illustrer le film et se servir d'eux comme figurants. On ne voulait pas du tout d'acteurs professionnels, on voulait vraiment que ce soit naturel et qu'il y ait cette spontanéité à l'image. On vous le remet pour bien comprendre le sens, et dans l'attente des deux prochains.